salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur The Last of Us. Toujours en compagnie de Joël et Ellie. Malheureusement Tess nous a quittés dans l'épisode précédent. Et... wow! Écoute mec, fais pas de conneries. Fais pas de conneries. T'es adorable. Allez, dégage. C'est comme ça qu'on commence un épisode ici. On a été élevé à la dure, ok? Bienvenue. N'oubliez pas, 4K 60 FPS, tu connais, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et nous sommes dans les métros. On a essayé d'échapper à un assaut. Et les métros sont malheureusement occupés pour l'instant par non seulement les sports, donc de potentiels infectés, mais en plus de cela, la milice. Et ça, c'est très compliqué. On va essayer de fouiller un petit peu à gauche, à droite. Je suppose que c'est là-haut qu'il va falloir aller. Est-ce que le flic avait quelque chose d'intéressant, la bibiche? Que dalle. Que dalle. Bref, je suis très content de vous retrouver pour cet épisode 5. Quoi? Ok, c'est moi, j'ai dû aller, j'ai entendu... un bruit très bizarre. Et le jeu est toujours aussi magnifique. On va aller fouiller à gauche quand même. Là il y a deux possibilités. Soit le train, soit là, c'est ça? Ah non, c'est plus une possibilité. La possibilité, il n'y a plus qu'une possibilité. Voilà, il y en a une qui vient de se fermer. Ok. Là normalement il n'y a personne. Je pense que là on va aller dans une zone qui va être infecté, en tout cas rempli d'infectés. Ok. Il y a rien là, les refs. Je sais pas nager. Ah. On va trouver une solution. Ok. Bah en vrai, Bibi, je reste sur la barre, je sais pas. Bah là, elle fait pas d'effort. Elle se met sur la barre jaune et elle monte. Je sais pas, démerde-toi. On voit pas tout, on va pas te mâcher le travail. Ah putain, faut plonger. What the fuck? Ok. Je savais même pas qu'on pouvait plonger. J'avais totalement oublié ceci. Je sais que dans le 2, on pouvait, parce qu'on faisait des attaques surprises. Mais là... ok, passer par ici au calme. Pas de soucis. Allez, salut Ellie, hein. Passe une bonne soirée, hein. Ellie. Je vais bien. Bah. Tu viens d'où, Bibiche? Ok. Oh! Hé, hey, regarde, elle marche! Genre, il y a encore de la batterie, hein. Alors, ton contact est un type du nom de Frank, c'est le mec de l'extérieur avec qui j'étais en affaire. Il veut entrer dans le ZQ de Boston, retrouve-le à la sortie de métro, s'y joint son visa. Fais attention là-bas, d'autres gars à moi m'ont signalé des claqueurs et des rôdeurs! Ah, très bien. Ceci est fort embêtant. Il y a peut-être quelque chose là-haut, non? On va voir. Laissez-moi shake. Tiens-toi prêt. Ok. Attends, quoi? Il y a des médocs. Mais j'ai pas souvenir les avoir ramassés, wesh. Il y a des médocs, j'ai pas souvenir les avoir ramassés, les potes. Je me suis pas vu les ramasser. On va dire que c'est bon. Ok. On va fouiller là-bas. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, très bien. Ok. On y retourne une last.
Sur un malentendu. Je suis Keblo. C'est bon, c'est bon. Ok. Très bien. Ok. C'est un cul-de-sac. Il y a une échelle. On peut essayer ça. Ouais. Alors j'aimerais bien. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Putain, je me souviens pas du tout de tout ça, c'est incroyable. C'est fou. Ah d'accord, c'est Ellie qui peut le faire. Alors attends, viens bibiche. Viens. Tu vas monter là-dessus. Je m'en souviens pas du tout, hein. Ok. Ellie? Ah. Ok. N'en dites pas plus. Allez, monte bibiche. Saute. Sérieux? Ellie. Ok. C'est bon. Ok. Allez. Amène-moi l'échelle. Ok, ça c'est fait. Merci Ellie, tu es adorable. Est-ce qu'on a un truc ici? Je ne sais pas. Et là peut-être non plus. Allez viens bibiche. On se casse. Il y a des claqueurs et des rôdeurs, let's go. On va se régaler. What the fuck? Ok. Là, y a rien. Ah, let's go l'extérieur. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais quoi... t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Elle était tellement adorable, la petite Ellie. Ah là là, quelle époque! Regarde ça. On ira plus vite en passant par là. Ok. Allez. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grandes chances de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. Oh, trop bien. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution.
Ok. La portée du mode écoute, ça double, c'est pas dégueu. En vrai, on va prendre ça, bas les couilles, et le reste, ça attendra un petit peu. Ok. Parce que x2, c'est cool. Quoi ? Ok. On continue. Je sais pas qui elle a dit ça du tout. Un écureuil, peut-être ? Voir la cigogne. Là, il y a peut-être des médocs. Non. J'aime bien fouiller les petits trucs comme ça parce que souvent, ils aiment bien y cacher des petits objets. Mais il n'y a pas de comics dans celui-ci. Putain, c'est bizarre. Je dois être fou. Je dois être fou. Ok. Eh, hey, merde. Tu veux qu'on grimpe ? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Regarde ! Des lucioles. Enfin, de vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolée, je me suis un peu emballée. Y'a pas de soucis, Bichette, allez viens. Tu découvres la vie. Et c'est totalement normal. Je vais monter jeter un coup d'œil. Ouais. Oh ! Là, on va se régaler. Ok. Là, on va se régaler. Et merde. Non, pas par là non plus. Alors ? Ok. Très bien, on va faire le tour, on va remonter là-haut pour prendre la planche, vous l'aurez compris. Jusque-là, pas bien dur. Ok. Vas-y mon Joël hein. Pour toi c'est easy ça. Va pas te mettre des chardes non plus. Ok, let's go. On continue. C'est toi Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Ok, là, y a rien. Très bien. Avançons. Pas grand-chose bon, par ici. Bon, j'arriverai pas à l'enfoncer. Viens, y a un autre chemin. Regarde où tu vas, la chute est raide. Ok. Quoi ? Oh merde ! N'approche pas ! Ok. C'est un chat ou quoi, frère ? Ouais, j'ai même pas de surin, les gars, putain. Allez, ça dégage. J'ai même pas de surin, je vais pas me casser les couilles avec ça. Pas de quoi confectionner non plus. Peut-être sur un malentendu ici. Trouver notre bonheur, il est où le bonheur, il est où? Ça, je prends ça. Ça, je prends... Tu te sens bien ? Qu'est-ce que bon ? J'essaie d'apprendre à siffler. Ah. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler ?
Ok. Il faut grandir. Voilà. Commence à nous faire chier là. Alors un petit bout de papier. Récupérer plus de pilules, voir si je peux grappiller quelques balles en plus. Je n'ai que 3 semaines avant la prochaine livraison à Tess. Ok. Ok, ok, on va passer par ici cette fois-ci. Je pense que de l'autre côté, c'est là où il y a le Clackers. Toujours pas confectionnable. Par ici. Oui, c'est juste pour passer comme ça. Oh, le merdier, putain. Oh, putain. Merde. Essayer quelque chose. Attends, mais pour moi, il n'y a rien à faire ici, en fait. On est d'accord. Ok. Je préfère la boucle. Ok, il y avait rien à faire en bas en fait, je comprends pas parce que je voyais pas là. Putain de bordel, je suis perdu. Et là on peut y aller ou pas? Attendez, ça se trouve il fallait juste aller droit. Parce que je commence à voir beaucoup de maisons, ça m'inquiète. C'est bloqué de l'autre côté. Vas-y, fais-moi monter. Ah ouais? Non, 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 non. Je crois que c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux passer sinon? Ok. Il fallait juste aller tout droit, très bien. Donne ton pied. Dommage qu'on ait plus de surin. Tu te contentes d'ouvrir, ok? Rien de plus. Ça marche. Doucement, doucement. Ok. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Ok. Il y a de grands... Putain, il y a de grandes zones dans... Disons que ton pote nous file une voiture. Dans le 1. La vache. Et après. Eh ben... Après, on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère? Bah, surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Et je vis loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Matez ça, j'ai une putain d'idée. Je pense vraiment qu'il y a un monde où ça marche. Je pense vraiment qu'il y a un monde où ça marche. Oh, 10 pilules, ça je prends. C'est beaucoup. Ok. On va faire machine arrière. Je pense qu'on va trouver beaucoup de pilules à cet endroit-là. Hey, regarde. Des nains. Ouais, alors, non, on dit nains. Personne de petite taille. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles, et ça c'est beau. Ok. Il y a un monde où on peut tirer dessus, en vrai, ça s'ouvre. On va voir. On va voir, on va faire tout le tour. Vraiment, je pense qu'avec le surin, il y a moyen qu'on trouve quelque chose de très très lourd. Comme par exemple, beaucoup de cachets.
Quoi? Non. Je peux plus... Non. Attendez. Eh, j'ai 20 balles, on va essayer. Comment ça? Le chat. Les viewers, comment ça je peux pas? J'ai essayé. Tant pis. Oh non, je suis deg. C'est un bug ou... Chier. Fuck. Un coffre, très bon ça. Très très bon. Ça peut être cool. Bon bah j'ai pas le numéro, hein, vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va fouiller. Hein. Évacuation obligatoire. Évacuer, où ça? À ton avis, la zone de quarantaine. Certains endroits ont eu un peu de temps pour se préparer avant que l'infection leur tombe dessus. Mais c'était rare. Ça doit être dur. De devoir tout abandonner derrière soi comme ça. C'est pas ça le plus dur. Ok. Très très bien. On va essayer de monter sur la voiture de police. On peut, superbe. Et là, il y a peut-être un mot, non? Je sais pas. Non, mais il y a un jeton, c'est cool. Ça se prend. Il y avait des lucioles partout, non? Ouais, partout. Ils pensaient pouvoir remettre de l'ordre dans le pays. Eh ben, avec un vaccin, ce serait possible. Ouais. Ouais, peut-être. Ok. Oh, regarde-moi ça! C'est là qu'elle va découvrir toute la musique que j'aime. Hop, ça on prend. Oh 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 oh. Ça on prend. Une petite note? Tiens donc. Ces satanés infectés sont bien trop près de l'abri de l'église. J'ai l'impression que je vais devoir faire un nouveau tour du périmètre pour repérer les failles. Très bien. Très très bien. Ça on prend. Ça on prend. Malheureusement pas d'indice. Ça on prend. Ok, superbe. Ah, c'est triste quand même. Quoi? Toute cette musique qui croupit ici. Y a plus personne pour l'écouter. Je sais pas, c'est tellement dommage. Bon, rien de fort intéressant. A fortiori ici. On va essayer de passer par là, non, on peut. Ça a l'air ouvrable, ça a l'air pénétrable, mais non, en fait, y'a pas. On va faire tout le tour. Putain, je veux le numéro du coffre, les gars. Hein. Vous me laissez pas sans, hein. Ok. Oh, la vache, tellement de choses à explorer. J'avais pas souvenir que les zones étaient aussi grandes. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Rien. Petite baraque. Barack Obama. Très bien. Ok, un petit resto qui a l'air très sympa avec une bande d'arcade. The Turning. Oh, l'ambiance. J'espère que la série qui sort bientôt va être exceptionnelle, hein, vraiment. Hein. Même si je suis pas très fan de l'actrice, mais bon, on va lui laisser une chance quand même. On n'est pas des sauvages. Et vous êtes nombreux à penser ça aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Très bien, des trucs à ramasser pour s'améliorer dans un établi, pas mal. C'est pas foufou. Hein. J'ai toujours pas la fiche. J'ai toujours pas la note. Ok.
Et là, il n'y a plus rien. Ok, bah écoutez, tout ceci est un peu embêtant. Dans le coin, il y a l'air d'y avoir une sorte de... d'ancien restaurant, mais on peut pas rentrer. Là, on a un restaurant d'actualité, mais on peut pas rentrer. Enfin, il y a rien d'autre. Tout ceci m'embête un peu. J'espère ne pas être passé à côté. Ouais. C'est chiant. Ils auraient pas été assez filous pour mettre le bordel là où je pouvais plus ouvrir, justement, non? Ça serait chiant. Ça serait très chiant. T'as déjà joué à ça? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... C'était quoi déjà? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. Ok, Wolverine quoi. J'aimerais bien y jouer. Bon, ok, c'est un peu embêtant là, je vous avoue. Ça me fait un peu chier. Là-haut, on a été fouillé, il n'y a rien. J'ai pas le code du coffre. Voilà. Je suis dans l'impasse. Il est où le coffre en plus? Il est là-haut, me semble-t-il. Fait chier. Tant pis, on va continuer d'avancer. Si on trouve, c'est cool, on reviendra. Et là, il n'y a vraiment rien là. Pour moi, somme toute logique, doit y avoir une petite note ici, non? Non. Une petite note, quelque chose, allez, en mode ah les gars. Le code. Que dalle, ça y est, je commence à être frustré. Allez, c'est pas grave. On a perdu bien assez de temps. On trace. Non. Ok. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est, ce type, au juste? En fait, il nous a aidé à introduire des trucs en ville. Disons qu'il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Allez, peut-être ici. Eh ben non. Oh putain, j'utilise un APT. Ça dégage. Ok. Oh putain. Matez ça. Oh, ça s'arrête pas. Ok. Oh là là. Et évidemment, par contre, j'ai plus de quoi faire un sur un. Oh, je suis heureux. Ok. Tu vois ce fil barbelé? Reste en dessous, ok? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. Ok. Des flèches? Ça alors, il s'est tiré à l'arc? Faut croire que oui. Pas d'intrus. Tiens, viens là. Il faut se servir de ça pour passer. Faut passer où? Kamtar? Ok. Attends, il se passe trop de choses d'un coup, là, c'est terrible. On va passer sous les explosifs. Mais on n'a pas d'arc dans The Last of Us 1, si? Je suis totalement perché, là. Et là, on est où? J'ai même pas vu cette ruelle. Mais what the fuck, les amis? C'est David Lafarge Pokémon, tu te souviens de moi? Tu m'as reconnu? Tu m'as peut-être vu sur une avenue? Mais what? 5, 17, 21, let's go! 5, 17, 21. Mais c'est fou!
Ah putain, j'ai cru qu'ici c'était le bout. Je suis pas allé au bout. Oh là là. Incroyable. Ok. 5, 17, 21. Biba biba boum. Où était le coffre? Il était là. 5, 17, 21. Alors. Ben voilà. Let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Des cachets, des balles. Et très bien. Allez, je suis content. Je suis refait. Ça, c'était un bon épisode, je vous le dis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt, demain, pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 1 avec l'épisode 6. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.